Bonjour, bonsoir à tout le monde. Bienvenue sur Vision 2000, cette dernière émission. Et pour semaine-là, et pour boucler la boucle, je fais appel à ancien parlementaire, ancien sénateur, proche premier ministre Ariel Henry, porte-parole unité, signataire de l'accord du 21 décembre. Je vais parler de M. Sorel et Jacinthe. Sénateur Jacinthe, bonjour et bonsoir. Nous sommes en jeudi. Bonjour Madame Bonhomme, bonjour tout auditeur, auditrice Radio Vision 2000, bonjour tout auditeur, auditrice captant des noms, en d'un pays et partout dans le monde, et surtout auditeur de la Grandance, auditrice de la Grandance, captant des noms sur Radio Mille. Ah. Je dis à sénateur, qui va ouais pays d'Haïti? Bon, son pays, il en cas autocal. Son pays que nous capables dit même question gouvernance là il presque pas gagné parce que sinon dit déjà il en chaos total donc ça veut dire que toute institution yo dysfonctionnelle presque donc nous voyons que c'est une insécurité totale c'est gagnant qui fait la loi je vous dis au capable dit mon cap diriger pays a qui dit qu'il est pour sortir, qu'il est pour entrer, qui dit qu'on ne peut pas passer voir la Grandance ou bien dans le Grand Sud ou dans le Grand Nord. Donc, c'est la gang. Donc, là, nous sommes capables de dire son pays que nous ne savons pas comment nous allons le travailler pour nous voir que si nous remettons le pays ça en place et pour au moins nous rentrer pour nous joindre. Pour sécurité, pour nous rentrer dans certaines stabilités, pour nous voir comment nous allons faire le pays. Mais en fait, c'est nous dans le chaos total capital. Mais il y a du monde qui proposait quelque chose pour être capable de relever le pays dans une situation sans lien. Est-ce que vous avez capacité pour faire ça? Bon, il faut me dire que moi-même, c'est moi-même avec Gagné. Que Unité lui-même avec Gérald Gilles, qui lui-même déjà choisi comme membre pour entrer dans le conseil là, qui, avec les autres secteurs, cap essayé, cap fait montage, accord politique là, et tout l'autre document, surtout l'organisation, document qui n'a travaillé sur l'organisation et le fonctionnement du conseil. Donc, c'est nous trois ça qui avons travaillé sous lui et Gérald Gilles lui-même comme membre que déjà nous choisi le 21 décembre. Donc, Mounsayo, alors, je dis ça en passant, mais Mounsayo, entre nous, bon, c'est des mondes qui vraiment ont assez de conviction, qui aiment le pays, hein, mais quelque part, nous ont déjà dit que ce sont des sacrifiés. Parce que accepter l'État pays, ça y est, pour accepter membres pour aller dedans au conseil présidentiel, et en même temps des mondes qui ont choisi tout pour mettre dans l'autre organe, qui est au CAG, qui va au niveau de contrôle et au niveau de la gouvernance, nous sommes capables de dire, premièrement, 9 mounsayo, ce sont déjà des sacrifiés, qui ont un travail extraordinaire, je compte que vous allez faire, parce que relève, premièrement, pour mettre sécurité en d'un pays, ça, en d'un pays, et ouais, comment, ou même, vous allez bailler tête ou sécurité pour faire travail là. Donc, c'est déjà pour dire, des sacrifiés, des mondes de conviction qui voulaient vraiment aider le pays qui pourraient entrer dans le bagage de ce genre. Donc, vous m'avez demandé comment, ouais, Mounsayo, ou même comprendre Mounsayo, c'est comme ça que moi-même. Donc, mais, nous croyons que c'est des mondes qui ont assez d'expérience, qui vécu en un pays, qui fait assez d'expérience dans tout ça qui a passé de 86 à aujourd'hui, parce que quelque part, nous avons fait, on rappelle, de conseil de gouvernement qui, en 86, qui a gagné à la tête de Henri Dunphy, et qui vient bailler avril et août, et pour arriver à une élection en 88, élection en 88 qui était avortée. 87 qui était avorté et qui vient banon élection 91 dans qui était bon coup d'État. Donc, je pensais que vous allez puiser de toute expérience ça, pour nous connaître comment, premièrement, vous allez organiser, fonctionner entre eux, parce que 9 membres, 9 membres,
garçon et femme dans ta yo pour accepter le job ça. Mais c'est ça tout qui fait de monde et bien doute et que solution ça est capable de bon ça démarche ça à faire solution ça nous proposer hein, et est capable de ben résultat escompté. C'est moi-même il y a un pile discussion qu'a fait mais l'essentiel qu'a fait est-ce que c'est conseil présidentiel, est-ce que nous allons puiser dans la cour de cassation avec les juges. Donc, moi, je pensais que aujourd'hui, il faut nous concentrer nous, sur le conseil présidentiel. C'est ça, 11 mars, avec discussion avec l'international, là, c'est ça nous adopter. C'est ça nous adopter. Si c'est ça nous adopter, donc, on nous mettait nous ensemble supporter les 9 membres de ce conseil pour y faire travail là. Donc, déjà, ou pas qu'a dit que son conseil morné, parce que écoutez, c'est ça nous adopter, c'est ça nous d'accord. Et c'est ça nous tout faisons ouf. Les que question ça a sauté, je choisis les 9 membres. Donc, on croit que tout le monde, toute radio, toute la presse en général, songez, il y a un problème le 21 décembre, pour y avoir choisi discussion, problème et choses ça. Donc, il fait toute une semaine, presque 2 semaines, sous question ça. Mais l'essentiel, on a le conseil présidentiel. On travaille sur un accord pour le conseil présidentiel. Là, on travaille sur l'organisation de l'accord là et fonctionnement pour nous supporter ou pour travailler là. C'est bien. Et je pense que c'est là pour nous essayer Mounsayo, pour nous mettre tête ensemble pour nos résultats. Dans un pays qui a une insécurité totale capitale, pour ne pas dire un chaos total capital, sans institution, sans rien. Mais l'impression que j'ai avec l'ETSA, qui a joint CARICOM, son aide de plusieurs partis politiques, et qui a accord 21 décembre, adressé CARICOM dimanche dernier, dimanche 31 mars, pour demander que pour être président de transition en juge, et cours de cassation, est-ce que des gens qui n'ont 21 décembre qui ont au pied en dedans, au pied dehors, discours sont gagnants là que matin, on va pas blesser les populations haïtiennes. Je pense que dans la réunion avec les signataires de l'accord du 21 décembre, font à gagner même discours. Ça qui passait, est-ce qu'à un certain moment, bon groupe de monde qui peut penser et à faire conseil présidentiel, ça, il y a les fonds routiers qu'on l'a donné. Au premier moment, je m'a dit que le 21 décembre, pas voyer l'aide par CARICOM. Il y a quelques mouns qui ont inquiétude, qui en même temps, en 21 décembre, là, qui, normalement, voyons l'aide pour dire qu'il y a inquiétude, parce que depuis presque un mois, conseil n'a pas qu'à mettre en place, accord n'a pas qu'à signer. Il y a des problèmes, mais c'est pas des mondes, c'est pas, on va pas parler de 21 décembre, on va parler de 21 décembre. Et aussitôt l'aide ça a sorti, et document ça a sorti, donc vous voyez qu'il y a deux tweets qui sont sortis. Premièrement, un tweet qui sorti par le variant du jeune, qui en dans l'unité, qui est le coordonnateur de l'unité, qui, sans qu'elle parle entre dans bise, pour le dire que lui-même est parti là, lui, et choisi Gérald Gilles en d'un conseil là, il supporte là à 100% et lui dit tout. Donc il demandait gouvernement, il demandait CARICOM, il demandait toute équipe conseil qui forme conseil là pour mettre tête ensemble pour pas gagner une sorte de va-et-vient m'a brûlé les ba ou brûlé les ba m'a brûlé frère ba ou brûlé frère ba moi pour nous connaître comment nous va faire sorti avec arrêter ça pour nous sorti dans le moniteur. Deuxièmement, comment pour élection en fait et pour y faire mise en place ça pour y installer. Et deuxième lettre, deuxième tweet, c'est André Michel qui est signé dans l'État qui dit en clair, lui-même il supporte Gérald, il y a des inquiétudes. Et c'est à partir de ces inquiétudes que lui-même il fait l'État pour dire attention. Donc, moi, je pense que c'est une question classique. Mais, encore une fois, ma vision que, et 21 décembre, pas fait, parce que 21 décembre, entre nous,
son plateforme de, pas pour dire ses plateformes, mais son groupe de monde, de partis politiques, d'associations, d'organisations, de toute l'obédience. Qui montait le 21 décembre, pas de bon rencontre qui fait pour dire que nous-mêmes, maintenant, ça nous y est, nous parlons, nous parlons conseil encore, nous allons chercher. Donc, c'est des inquiétudes qui exprimaient. Donc, moi-même, je suis classé là et je suis là. Oui, mais monsieur Jacques, ma quoi, population capable de classer là, répéter là, ça veut dire. Lundi, ou fait tweet, mais. Mais pour ça, nous prenons population haïtienne dans là. Nous devons bien préciser des partis politiques signataires de l'accord du 21 décembre. Comment donc, sénateur Jacques, unité, et signer tout, et mettre ça, ou c'est pas de parole parti unité, pas vrai? Toujours? Unité pas signer lettre. M'babral dit, ça passe. Parce que je crois que c'est des bagailles internes que nous réglons sur le plan interne. M'abral baye même détail, mais unité que le vaillant, lui jeune, pas quoi, ou est signature, ou est non, ou est signature. Ça passe, je ne sais pas. L'essentiel. C'est-à-dire qu'on a mis un nom, sans que pas contacter. Je vais vous dire. L'essentiel, nous régler question, non, pas quoi, ou est non, ou pas quoi, signature. Oui. Nous régler question, et le soutien ensuite pour le parler business, pour le dire non, oui. Il dit en clair que lui-même, il supporte des démarches-là, des marchés du conseil présidentiel-là, et même ça, il choisit le docteur Gérald Gilles qui est dans le conseil-là, il supporte là 100% avec unité, avec parti que lui-même l'a coordonné. Donc, il demande pour faire diligence le plus vite que possible pour une coordination entre le pouvoir CARICOM et les membres pour qu'on ait en clair. Sans va-et-vient, sans parler en pile, pour qu'on ait comment y a sauté avec Arétea, pour rendre mon travail officiel dans le moniteur, pour organiser l'élection et en même temps installer. Donc, je pense que la question s'est clarifiée. Donc, nous ne pouvons pas aller dans le détail à l'ordre de ça qui passe. Comment on le fait là? Vous comprenez? Donc, mandez-vous, parce que je vais rentrer là. Parce que André Michel, madame Edmond, c'est les gens que nous travaillons avec eux. Gagnons bah qui passent, ils ont même ils capables gagner des étudiants, nous comprenons et c'est de bon droit, nous comprenons. Mais premièrement, il était lui-même, il pas en d'un mouvement ça. Et nous clarifions vous, par quoi que nous puissions retourner sous lui encore. Bon, on dit que 21 décembre en tant que signataire de l'accord de 21 décembre, c'est vrai, il y a des courants en d'un lui, nous régler problème ça et nous voyons membres. Qui est le DG Angile. Donc, c'est ça, mon capable de dire. C'est ça, même moi, capable de dire, par un des paroles, tantôt, vous allez répondre, j'ai fait, pas fait, donc, là, on est là. Ok, nous avons besoin de ça, nous avons besoin de sérénité, je dis, et dernière question, mon capable de poser. Comment, docteur Gérald Gilles, lui-même, il prend ça? Il prend ça avec un peu de recul, parce que, écoutez, c'est quelque chose que nous discutons, parce que c'est pas un bail qui saute dans le ciel. C'est un fait. Il dit, il prend avec un peu de retenue, un peu de dépassement, il parle avec les uns et les autres, et puis, qui baille résultat, qui baille là, et puis maintenant, on continue. Parce que dans toutes les familles, il y a quand même des désaccords, des petits problèmes, mais c'est humain, donc, dès qu'on finit de régler les problèmes, non, on avance. Est-ce que ça va priver encore? Mais l'essentiel, c'est que le problème est réglé. Il est réglé très clairement parce que deux tweets sortis et lui expliquer. Donc là, entre nous, on ne va pas aller plus loin. Bon. Et est-ce que ça du problème il est réglé parce que nous connaissons que, bon, affaire politique dans le pays, c'est Baïkou Nandolien? Je vous dis très clairement, c'est une inquiétude parce que nous, ouais, sa presse, là, lui-même, sa réseaux sociaux, comment ça dit, c'est un conseil, neuf têtes, couleuvre, des qualificatifs qui dépassaient quand même entendement. Donc, entre nous, c'est pas Baïkou Lando. On nous retire les qualificatifs. L'essentiel, c'est qu'il y a quelque chose d'un petit dérapage.
un petit dérapage, mais qui est justifié par une inquiétude. Ben, elle a passé trop de temps. Ça a passé depuis 11 mars, c'est jeudi à nous à peu près. Je ne vois pas tellement bien la date, 4-5 avril. Je dis à nous 5 avril. 5 avril, presque mois. Donc, ce sont ces inquiétudes que je crois que ces camarades, quand même, qui fait, qui vont les documents, c'est juste ces inquiétudes qu'on exprime. C'est ça, ça va tout moi-même. Mais nous restons, et Géraldine, Gilles, parler avec les uns et les autres, donc on avance, on avance. Est-ce que l'inquiétude nous a apaisé aujourd'hui? Absolument, nous sommes très apaisés. Ok. Pour qui ça? Par rapport à qui ça? Et qui fait que, Sandeweya, je veux dire, nous, plus ou moins, elle claire? Bon, parce que, premièrement, nous, que, le conseil avec les secteurs, les 9 secteurs, ils mettaient tout ensemble. Donc, à quoi pourquoi sortir officiellement, mais il y a à quoi fini. Okay, on travaille sur l'organisation, il faut concilier, on travaille sur l'organisation et le fonctionnement du conseil. On travaille sur comment on apprend ensemble avec le gouvernement et surtout avec CARICOM, comment il y a gagné 2 ou 3 documents sérieux pour y rentrer normalement dans la publication, il y a rentré tout l'installation, il y a rentré tout l'organisation du conseil pour gagner un président avec les 9, avec 8 autres membres, et 7 membres qui ont le droit de voter et 2 membres qui n'ont pas le droit de voter. Mais c'est 9 membres qui doivent constituer pour nous connaître comment nous allons organiser. Donc, en clair, nous sommes capables de dire qu'on avance parce que nous toutes nous avons des inquiétudes, ça. Ou même nous avons des inquiétudes. Ça a passé, hein, depuis combien de temps? Depuis 11 mars, je vous dis à 5, ça a passé. Donc, nous toutes nous avons posé des questions. Nous avons posé des questions. Nous toutes, hein, en général. Bon, ben, vous savez, ou même avantage ou gagné, avantage signataire à cause du 21 décembre, y'a gagné sous même population, c'est que nous gagnons représentants, nous, en dans et structure ça. Et ça nous est capable de faire pisser, c'est réel, et puis, madame, ça a passé, tout ça, et, n'a pas, traîné les pieds comme ça. Ouais, l'homme dit traîner les pieds. C'est vrai, c'est 22 jours, et ça prend, et il prend avant que le produit document, et quelques jours avant, 2 ou 3 jours avant, que ce premier communiqué. C'est parce que il y a urgence, mon yo, yo, impatient, et puis, l'impression, c'est que nous choisissons solution, et plus compliqué, là. C'est, moi-même, c'est comme ça, je suis capable d'expliquer, les patients, et populations, hein, devant l'urgence, devant le pays, que c'est, un petit capital, là, plutôt, et que c'est gang qui seul met le Seigneur à la donne. Chaque homme est un homme, chaque femme est une femme. L'essentiel, on a résolu le problème. En nous garde des solutions, hein, on avance. On ne pas continuer à mettre l'huile sous du feu, parce que dans ce pays d'insécurité totale, où se dit c'est gang qui a fait la loi, donc on a besoin plus que ça. Donc, on avance. Et, chose, dans la critique qui a joué un conseil, en tout cas, conseil, les membres du conseil, et critique comme formule ça, a fait 9 mondes qui participent à discuter sous. Question et PIA, et moins ouais des points que ma parle. Mais yon devant là, et toujours c'est le fait que c'est des partis politiques qui, yon même prend baillon en main, prend baillon en charge, et puis, nous gagnons pour organiser les élections. J'en attendais, je m'en ai monté là, parce qu'on était au premier document. Qui te sorti, m'a arrivé et confirmé ça, même que le LADEM, c'est des membres du, et monde qui représente le parti politique, qui représentait, en dedans, conseil là, il y aura gagné des ministères, régaliens. Ça peut faire monde sauter. Bien évidemment, document sorti dans la rue, là, ça veut dire, l'autre document,
et nous pas ouais ça la donne comme honnête sur ça. Donc est-ce que les pas plus assurant que c'est pas des partis politiques qui n'ont conseil ça. Allez ici, on va c'est pour même et pour tout le monde qui attendait et les secteurs et monde qui fait interrogation ça. On nous résout le problème ça une fois pour toutes. Partout dans le monde, c'est les partis qui gouvernent. La gouverner avec les techniciens, la société civile, les autres secteurs. Mais c'est les partis politiques. Ça, c'est un. Deuxièmement, depuis 220 ans, on a parlé de partis politiques, on a critiqué eux. Ils ont fait bataille, et puis ils ont dit Marie-Lucie, ils ont fait bataille, ils ont une conception, ils ont une vision sous bataille-là, ils viennent des résultats de bataille-là. Et puis qu'on y a, il y aurait les au monde qui pas en dans bataille là du tout, qui pas en dans solution du tout, qui pas connaît ça qui passe en dans pays à qui critique. Et puis on dit bataille ça me saute faire, travail ça me saute faire, organisation ça me saute faire. Donc on y a moins bon diriger le point sans que me pas expliquer ça qu'on pas connaît ça qui a passé et puis ça me défait l'intuition, que me défait qui objectif que me devient. Donc nous voit qui résultat ça passé, ça baille. Chaque jour là dit ça. N'a dit que c'est parti politique qui est responsable tout mot, tout ça qui est dans le pays a comme mal. Yo fin fait travail là, on y a dit carrément longe le baou sans que m'a gagné pour moi en dans la carrément rester l'on neutralité et puis bail l'autre monde qui pas même connaît son faire fait question. Donc ça c'est toi. Mais troisième bagaille, c'est que c'est pas les partis politiques seulement qui doivent le faire. Et dans un gouvernement, premièrement, qu'a bon premier ministre. Mais c'est tout secteur. C'est tout secteur, les experts, les hommes et les femmes de l'administration qui comptent. C'est pas des imbéciles qui là-dedans. C'est vrai, il y a des problèmes à l'image du pays, mais c'est pas des imbéciles. C'est des hommes et des femmes qui ont étudié administrateur et pour ne citer que ça seulement. Mais là, je ne comprends pas, depuis 200 ans, on a critiqué les politiques pour les choses qui ne vont jamais marcher, et à chaque fois qu'on bagaille qui fait de gouvernance qu'on fait, on dit, on mettait quoi de côté, et bail l'autre monde qui par contre n'a rien en de question. Même penser que c'est, mon ou bail fait, c'est pas eux bail fait rad, hein. Mon bail fait pantalon. Donc, il faut laisser la politique aux politiques. Les politiques là, ils vont le faire pour qu'on le faire avec les autres. Avec les techniciens, avec les experts, avec les autres secteurs. Mais pourquoi qu'on critique toujours les politiques et au pas jamais les politiques là rentrer dans aucun rien qu'à faire dans un pays, à l'institution pays. Moi, je me demande, est-ce que nous sommes l'autre pays et c'est ça que fait nous comme ça? L'un pays blanc, l'un pays les États-Unis, aux États-Unis, en France, entre le gouvernement de Macron, par exemple. Au Brésil, c'est pas la même chose. Son monde qui a l'élection qui vient de jouer. Mais qu'est-ce qu'on peut dire? C'est pas ce qu'on dit. Mais pour qui ça nous-mêmes, nous aussi hypocrites? Non, la femme va quoi dire hypocrisie? Non, là, nous, transition, c'est normal que les partis politiques ont l'élection et puis tout, et population adhéré à projet, et puis ils ont élu, ou pas qu'à demander. Pour mon salon, il a fait des places à de l'autre monde qui parle dans l'élection du tout. Dans le cas, ça n'a pas allé là, ou pas comparé là. Bon, moi, on a parlé de ça là, avec Macron, qui est élu à deux reprises. Et même, en Haïti, toujours des contestations dans l'élection, monde qui sortit dans l'élection, y a pas même dans le temps pour commencer où est-ce qu'on a fait, et puis, lui, l'objet de contestation, nous capables de prendre ça, et Jovenel Moïse, là, par exemple. Très fois, je veux dire. Un autre pays qui pique, à pipi près de moi. Saint-Domingue, en 91. Avec l'élection de Balaguer. Et c'est les partis politiques qui étaient faits, ils étaient chita avec les autres secteurs. Et c'est la même chose que nous faisons aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai le privilège de travailler avec le secteur privé. J'ai le privilège de travailler avec le secteur vaudou. J'ai le privilège de travailler pour me travailler avec le secteur droits humains. J'ai le privilège pour me frotter avec
tout secteur dans le pays, et c'est ça que j'ai fait là, pour ensemble, pour nous trouver une solution. Un, sortir avec accord là. Deux, sortir avec, on arrêté pour gagner l'organisation et le fonctionnement de l'accord, mise en place du conseil, et comment nous allons choisir un président qui pour coordonner ce conseil, et comment nous allons choisir un premier ministre qui pour monter un gouvernement, comment choisir les membres du gouvernement pour aller chercher ensemble comment solutionner le problème. Ça. Mais c'est tous les secteurs qui mettent ensemble l'ensemble de ma paix là. Neuf secteurs à faire là. Parti politique majoritaire. Majoritaire, mais bail des partis politiques organiser des élections capables de gagner véléité pour faire basse ou pour faire même basse sur l'élection. C'est ça, il m'y a dit. C'est pas les partis politiques qui veulent organiser les élections. C'est pas les partis politiques qui veulent organiser les élections. On va mettre en place une institution qu'on connaît, qui est le conseil électoral. Ouais. C'est ça, nous allons mettre en place ça. Et mon capable d'un roi, que moi-même, moi capable de dire, c'est l'église, c'est les institutions, même j'en le fais dans constitution 282, article 289 là, 87 ou 289, que vous allez choisir en d'institution ça, nous prenons l'esprit de la constitution, pour nous faire choix ça, pour nous remettre institution CEPA pour organiser l'élection. Comment l'élection organisée dans le pays? Comment organiser le concept? C'est d'abord le CEP qui lui-même va garder ça comme dans le CEPA et font évaluation. Chaque marché mal, chaque marché bien pour nous prendre, chaque marché mal pour nous rejeter. Et en même temps, avoir l'apport de l'international pour aider nous en question d'expertise. Donc, nous allons mettre des mounes qui n'ont pas rien à voir avec, parce qu'il n'y a aucun côté, non, que les partis politiques ont peut-être ensemble de choisir un membre en dedans CEPA. Les neuf membres, c'est des institutions indépendantes qui vont avoir une institution indépendante qui est le Conseil électoral provisoire. Donc, ça veut dire que. Et moi-même qui est dans le parti politique là, je suis pestiféré, nèg qui est dans le secteur privé, ils sont bons garçons, ils sont nèg extraordinaires, nèg qui est dans l'église là, ils sont au monde extraordinaire, nous ne sommes pas des éléments qui en ont ensemble, qui ont des défauts, qui ont qualité. Donc, est-ce que c'est ça? Et c'est là où nous devons payer, ouais. Je dis, il n'y a pas besoin d'inquiétude. Est-ce que c'est Ewen affaire ou bien c'est à partir de. Parce que gens que tout secteur ça comporte nous à partir de ça nous fait acte nous poser déjà qui fait aujourd'hui mon yo gain des doutes légitimes. Mais bien sûr, nous sommes des humains et sous pas des doutes légitimes pour regarder comment pour résoudre problème yo et puis qu'on y a pour comment pour bien faire, eh ben on pas vivre. C'est la vie de tout un chacun, de tout monde, de tout humain, de tout pays. Eh ben c'est des doutes légitimes. Des problèmes que nous avons et qui va le permettre nous faire mieux. Et c'est ça qu'on a fait là. OK. Ma pose une question. Le gouvernement a sorti un communiqué dernièrement pour expliquer, pour donner des explications, parce que l'objet de critique est gagné des partis politiques qui représentaient, les personnes politiques qui représentaient en dedans et conseil là, ils ont accusé que. Et eux-mêmes et même du dans le conseil présidentiel là que le conseil des ministres le gouvernement l'a bloqué et conseil là justement et conseil des ministres a annoncé que le soumet à des juristes projet de décret pour être capable création conseil présidentiel là pour capable rendre et conforme aux lois de la République. Il y a des bagages qui méritent de corriger la donne et ou même qui sont répondre à ça. Ma petite population était gardée calme. Parce que moi-même, Sorel Jacinthe, ou que M. fait quelques expériences dans le pays ça après 40 ans, et surtout expérience que nous vivons là. D'un côté, il y a critiqué les secteurs et les neuf membres, ça passe qui fait pas qu'à sortir à Kakoa. De l'autre côté, il y a critiqué le gouvernement,
c'est à bon droit, c'est encore des inquiétudes, parce qu'on pas qu'on est, il y a un problème de communication dans ce pays. Il te gagne avec Ariel, il te gagne avec nous là, les 9 membres, il gagne nous avec nous, toute la population, nous refuser de communiquer. Mais écoutez, à quoi ça nous-mêmes, les 9 membres et les membres, les 9 membres et plus les secteurs qui mettent ensemble, il y a celle-là. Son bagage, on est allé claquer, doit être pour joindre. Bon, même en donne, ça prend du travail, ça prend du temps. On travaille de 8h30, parfois de 10h jusqu'à 3h du matin. Hier, sur l'organisation et le fonctionnement de ce document, l'organisation, nous commençons le travail depuis 2 jours. Nous finissons à 1h. Nous connaissons un projet de à peu près 20 articles. Je vais songer exactement parce que je vais le prendre pour mal garder le téléphone. Non. Nous faisons 3 jours sous l'île, nous étions à peu près 4 articles. Ça, c'est du côté du conseil et du côté des secteurs, du côté du gouvernement. Mais écoutez, nous sommes un pays. Comment l'envahissement CARICOM 11 mars pour arriver à 9 membres? Pour en y prendre 9 membres, le gouvernement prend 9 membres, il saute avec un arrêté et puis il dit carrément, Mounsayo, il saute dans le moniteur, nous pas besoin de rien pour nous viser, nous pas besoin aucun considérant. Et nous saute d'où jusqu'à présent, nous travaillons sur l'accord, il faut qu'on signe, il finit, nous travaillons sur le fonctionnement, il faut qu'on finisse, et nous travaillons sur lui toujours. Donc, papier, ça, nous pas besoin. Donc, c'est une république bananière. Et puis, nous nommer. Sans enquête, sans rien, sans on va évier pour nous connaître comment on a fait, et pour sautil, l'or sautil, et puis on dit, qu'est-ce qui s'est passé? Mounsa, c'était ceci, Mounsa était cela, et puis population a pris, on va prendre le temps qu'il faut. Moi-même, j'ai appris une chose, Madame Sauveur-Aura, c'était une magistrat à la Caïman, à mort. Il va te prendre le liste. Mais son monde qui était gampi le conseiller. Pourquoi ça le dit, et me croit que l'or a un gros livre ou elle? L'idou l'or pressé, c'est laissant on prend plus de temps. Bah, dit, il doit prendre le temps et l'éternité, non? Mais je comprends. Parce que maintenant qu'on y a me comprendre, l'oppression prend plus de temps. Ou bien faire. Parce que l'offre fait une erreur, on va recommencer là pour encore plus de temps. Donc, même ma petite population, hein, c'est vrai. C'est vrai, nous sommes dans un pays, non chaos total, en sécurité totale, nous t'arrêtons même à gagner. Aller. Mais on ne pas courir critiquer. On ne pas courir critiquer. Parfois, bah, des critiques n'a pas gagné raison d'être là. Mais allant au fond des choses. Et ce que moi, je demande à mes collègues, des secteurs, il faut communiquer. Parce que si vous pas communiquer, la population, la critique et la raison critique. Donc, c'est ça que vous avez fait. Côté bonne nouvelle? Moi, je dis que l'on presse, si vous voulez, côté bonne nouvelle, faut prendre le temps qu'il faut. On prend le sens qu'ils font. Parce que moi-même, ma travail là, sous question accord là, sous question fonctionnement, et nous avons l'autre document encore pour nous travailler sous lit. Donc, nous, ça prend, bagaille, pas qu'à le faire, parce que nous, on accord à l'autre, tu pas assemblé, c'est vrai, on a ici des formes là. Parce que l'offre fait accord là. Mise en œuvre de l'accord, pour mettre accord là, pour sembler un document normal, un document juridique, un document administratif. Mais écoutez, ça a son spécialité. On finit écrire, on finit l'île, on balance dernière lecture, les virgules, les ceci, les cela. Et je connais son mari, il est très fort dans ça, pour mettre les questions en forme. On y a fort, une spécialité, pour mettre sous forme d'accord normal. Mais ça prend du temps, hein. Ça prend du temps. Ok, mais pas que nous pas prendre trop de temps, non? Parce que parfois, on a l'habitude de discuter sur les virgules, sur les mots, et puis après ça, mot, la discussion, ouais, qu'il faut retourner sur moi, parce que c'est ça, nous, haïtiens africains. Oui. Nous, on est important pour nous discuter. Qu'est-ce qui arrive que son travail, changer son travail, et tout. Mais ça arrive que son virgule change son travail, son virgule au point de vue. Attention, moi-même avant, nous, les intellectuels de ce pays, pour reprendre nous, nous faisons ça bien, hein. Nous discuter sur les nuances, sur les virgules, sur les mots, vous comprenez, parce que le français est très élastique, on comprend, et même le créole. Mais quand même, il
faut du temps. Il y a des documents qu'on a besoin, des divergences. Parce que je vous dis, nous sommes entrés dans le fonctionnement de comparer deux documents, des secteurs qui disent que là, madame Lélie, président ça, madame son président tout puissant, madame les pas le parti puissant, pas ceci, question force armée, question ceci, question cela. Donc tout ça, faut régler, pour ne pas rentrer là, son relais, on business, on va mettre mon taille en place. Parce que le fonctionnement, les attributions, les rôles, ne sont pas bien définis. Un bon balcon, il y a un problème. Alors, ce n'est pas pour justifier le temps qu'il y a. Parce que nous prenons trop. Mais je te dis, je vous dis, vous pensez que l'oppressé, il faut prendre du temps. Et pour comprendre nous, il faut communiquer. Et c'est ça, nous ne pas faire et nous ne pas faire bien. OK. Mais où parlez de l'accord politique là, en plusieurs reprises, vous connaissez avant hier, et conseil là, il a fait finaliser l'accord là, et accord politique pour l'intervention pacifique à donner. Est-ce que ça veut dire nous retourner par semaine sous lui? Je vous parle de deux choses. Je vous parle de l'accord et je vous parle de l'organisation et du fonctionnement. C'est deux documents, différents, mais faut ajuster eux. Faut ajuster eux. Parce que en disant à Colomba qu'a dit un bagage, et puis là, au fonctionnement, on a dit l'autre bagage, c'est le contraire. Donc, ça demande un petit peu de temps. Faut le faire plus vite, mais ça demande du temps. Faut le faire plus vite, ça demande du temps. Bon, maman, pour ça va vers. La question de 18 mois, 24 mois. Mais écoutez, c'est une première transition, donc deuxième transition. Est-ce qu'on comprend? Donc, on y a fort discuter, faut qu'on ait. Est-ce qu'on prend 18 mois? Est-ce qu'on prend 24 mois? Ou bien on prend une médiane? Donc, moi, je crois que m'kabordi information. Ça nous dit c'est 20 mois. 7 février. Oh, donc 26. Oui, nous dit 7 février. Mais ça demande des réflexions. Parce que population, automatiquement, on passe sauté avec un bagage. Ou mettez conseil là, et vous dites 24 mois. Si vous parlez en pile, ou déjà craser son fer, sans qu'on peut quand même installer et puis des problèmes. Et l'on partit avec perception, ça, la difficile pour prendre cap. Mais si vous mettez 20 mois, ou même qui était proche au gouvernement, qui passait 32 mois, plus là, et nous, pas de résultat, et trois résultats. Mais est-ce que 20 mois, nous clair la donne que nous sommes capables de livrer les marchandises là, organiser l'élection, donc de bonnes élections? Je vous deux bagages, parce que je pense qu'il faut me clarifier le pour. Un, pour non pas d'expérience passée, oui, 32 mois. Premièrement, nous dit à compter de l'installation. À compter de l'installation. Oui, oui. Mais deuxièmement, Marie-Lucie, on dit mon Sorel Jacinthe qui était proche du gouvernement. Oui, c'est proche du gouvernement. Mais bon, plusieurs interviews. Si vous regardez dans toute interview que je vois, ouais, que Sorel, tout ça qu'a fait là, aujourd'hui, c'est tout ça Sorel qu'on a habitué nous. Tout ça qu'a fait là, aujourd'hui, c'est ça Sorel qu'on a hein. Et Sorel, c'est d'où l'on interview. Attention, de part et d'autre, le gouvernement, l'opposition, attention pour ne pas rentrer dans la formalisation. Parce que mais ça qu'a privé. Et Sorel, c'est toujours dit où. Nous sommes trop hypocrites. Là, nous dit que nous parlons blanc, la souveraineté, la conférence nationale souveraine, la ceci, la cela. Donc, qui ça fait là? Qui ça fait là? C'est toute sa sorelle qui a dit là. Est-ce que c'est un prophète du malheur? Donc, c'est une façon pour me dire attention. Attention, oui, j'étais proche. Mais dans l'interview que je me débordais, ouais, que c'est tout ça me dit qui a réalisé là. Est-ce que ça vous est de l'eau à la matière? Il va vous est de l'eau à personne. Mais on pose une question, vous répondez. Bon, et. Sorel, fait, oui, mais écoutez, c'était la vraie critique du gouvernement. Bah, vous me dites que j'étais point, parce que tu as, mais, toute interview que me débrouille. Oui, mais. Ou t'as posé une question, ou t'as fait mon complément, mais ça me dépend des autres. C'est même pour plein de mois que ça, des équipes qui baillent, des mondes qui. Malheureusement. Et, oui. Malheureusement, et je dis, c'est dommage. Parce que, où songez à parler, donc, comment avoir une transition dans une transition? Nous sommes dans un pays où l'impossible est possible, où le possible est impossible. C'est ça, malheureusement, et c'est ça que c'est nous là, à côté de nous hier. C'est vous, ça, Mado. Des hommes et des femmes politiques qui m'attendaient, qui ne comprennent pas, parce que l'international là, qui l'a aujourd'hui, l'américain,
à chaque accord qu'on fait, nous nous dit pas suffisant. Lit pas suffisant, il faut chercher plus. Il faut chercher plus. Mais expérience nous fait avec eux. Il y a pris un moment, quelque chose, il y a converti et en vérité. Mais vous-même, vous ne pas comprendre, vous comprenez, j'ai le support des blancs, le support de la communauté, et puis l'on ne pas comprendre où est pour tomber par une personne qui a des mots. Est-ce que c'est parce que pas un accord là qui fait pays à dégrader à ce point? C'est pas ce que je disais, non, pas du tout. Pendant ce soir, prendre une institution, l'institution a bien réglé un principe, donc bon, c'est une série de documents pour mettre en place, parce que on peut pas long chamanan. Et même la chambre maintenant, pour façon vous planter banane, pour façon vous cueillir. OK. C'est-à-dire, lorsque vous élaborez le document, le plus important, c'est appliquer. Parce que nous faisons expérience là, il y a deux accords, et puis, c'est nous pas, bon, ma cousine va appliquer, on va nous pointer là-dedans, parce que c'était récemment, on était mettre HCTA sur pied, mais ma vie dit, pour qui résultat? On avance sur les affaires. Résultat, nous pas qu'à dire résultat zéro, mais le résultat va pas trop bon. Mais moi, elle n'a pas fait ce qu'on a fait, elle me défend d'où lui, elle me défend hier, elle me défend avant-hier, et je vous dis à ma prête d'où lui encore. Conseil là. Bon, côté, nous te dit, ou me bon interview, nous te dit, ou accepter l'entrée, joindre un consensus, ou bien pour l'entrée dans l'implémentation encore là, pour l'appliquer encore là. S'il reste la question. Il va retourner sur la question, surtout de pouvoir installer dans le palais national. OK? C'est ça, mais qu'on y a là, c'est qui genre le palais national? C'est genre le palais national là, nous débuché maintenant pendant deux jours et la police est bandit campé en face et la police vont véléite pour y prendre et palais. C'est tout problème insécurité là et n'a bini là et qui genre nous parle colter la bagaille ça même. M'a répété ou ça me répète ou sous Ariel tout autant que nous pas gain une force une troupe qui pour venir de temps pour servir de tampon. Beaucoup de missions, hein, non? Une force. Et force, ça va pas de l'autre côté pour le soutenir aux États-Unis. Parce que c'est eux qui ont gouverné le monde maintenant. Le proconsul, c'est eux. Et ils ne vont pas quitter la Russie, ils ne vont pas quitter la Chine, ils ne vont pas. Donc, nous besoin d'eux. Et pour ne pas faire hypocrite, nous besoin de ça. Cette force de tampon. Sinon, tout ça n'a fait là, hein, c'est la vraie main sur la tête. Ça, c'est deuxièmement, il s'est dit, conseil de monde qui soit hypocrite, qui a parlé de souveraineté, qui a parlé de ceci, qui a parlé de cela, il n'y a pas besoin d'aucune force parce que la police est assez capable pour faire ceci, cela-bas. Nous disons, c'est que c'est clair. On a besoin de l'aide internationale, on a besoin des troupes. Et nous avons souhaité que par exemple, nous, haïtiens, qui l'aient venu, nous avons des forces, les policiers aient des forces spéciales. Ou pas des mondes qui disent, trop nationalistes, trop patriotiques, pas ceci, pas cela. Mais on a besoin de cet apport international. Et si nous avons deux forces, on pose un tampon d'abord qui vous vient tout de suite. Et en même temps, la mission. Donc tout ça a fait aussi, il avait mis sur la tête. Parce que aujourd'hui, notre police, ils ont fait tout ça, ils sont capables. Mais le passé. Et ils ne sont pas capables, eux-mêmes seulement. Fait face à ça où est là, avec les gangs, les sécurités totales, le chaos, Jodia, c'est avec un pile résistance qui fait que nous sommes parlé national, là, il faut qu'on rentre là-dedans. Est-ce que vous dites qu'on passe dans le monde? Pour nous commencer dans le monde, pour ne pas rentrer dans le jouet de tête, pour ne pas dire que la souveraineté nationale, la ceci, la cela, donc on n'est pas capable. Donc on a besoin de l'assistance. On a besoin d'une assistance. Parce que c'est posé à ses voisins ou en danger, pour me dégager, pour me sauver. Sinon, oui, eh bien, sur le plan international, il y a des lois qui ont condamné. Et moi, aujourd'hui, je fais appel à deux secteurs. Un, les Haïtiens en général. Ou besoin d'assistance étrangère, de voisins. Deuxièmement, on a bien les États-Unis. Parce qu'on a maintenant un ambassadeur. Monsieur, écoutez, si nous disons nous mettre zone, dégagez-nous parce que Haïti besoin. Pas déjà fait?
Oui, je suis là. Oui, ok. Femme de Baldou, là, c'est quand nous faisons à peu près, et même ça que fait en 2014, nous changeons qu'avant, parce que l'international, là, était venu, était venu, les Américains, les Français, soldats qui étaient venus sur place, paver la voie, en quelque sorte, je dis, ah, c'est ça le besoin, mais est-ce qu'ils sont intéressés? Parce que il y a des gens, et bagarre la prene là qui sont forces et multinationales là si on est intéressé on t'a guet en ferme quoi tout mais et pour établir sécurité on a tapé sur question moi et puis aller là et finalement Kenya a accepté mais depuis monsieur a fait attaque coordonnée là moi Kenya on qui genre et nous trois pays. Nous avons la France, et même quatre. Nous avons premièrement le Canada. Je ne vais pas parler du Canada en tant que mettre nos mains en danger aux politiques là dans le secteur que dit. Nous avons dit au suspens hypocrite. Tout ça qu'a fait là, si vous connaissez, si vous mettez là-dedans, il va privé. Il va privé fait. Est-ce qu'il y a besoin de nous finir net pour prendre pays à Jean Ouvelet là? Parce que nous sommes pays. Nous pas pauvres, non? Nous mal gouvernés, mais nous pas pauvres. Hein? Parce qu'on connaît, nous pas pauvres. Parce qu'il y a un bon objectif. Est-ce que ça n'a pas dit, est-ce que c'est ça, le livre? Il y a un bon objectif, il y a besoin de nous finir net pour nous prendre, pour nous mettre à genoux dans le pied. Et Marie-Lucie, excuse-moi. Marie-Lucie, m'a douli, m'a douli, même samedi 12 soir, elle. Si nous pas joindre exactement ça, on s'est expliqué là, on s'est défini là. Cette force qui pour venir comme 2004, qui pour venir paver, qui pour venir débrayer, eh bien, en nous camper, en nous juste, nous, toutes nos tuer. Et les ça, on a dit, nous pas des amis, nous pas des voisins, nous pas des personnes. Et si nous cherchons ailleurs, il y a rien. Ok. Et, là, il faut que nous attendez, porte-parole, et comment vivre ensemble, et surtout, dans de entrevues, l'accès dans des médias internationaux, nous attendez revendications, requêtes. Et il dit que si gagne au paladin, pas gagne à faire conseil, t'as bien installé là, pas gagne rien qu'à faire, parce que y a pas de fin de fond bagaille. Donc, c'est un cas pour, considérer que y a pas de premier salaire l'année dernière, c'est ce mon sang. Et puis, pour ces démons qui vont chiter dans l'hôtel, dans le bureau, et qui pourraient décider de l'avenir et pays d'Haïti, comment nous-mêmes nous prenons ça. Marie-Lucie, oh, par contre, ça passe là. Marie-Lucie, on a un problème. Hein? Les gangs nous ont dit, nous ont posé une question, nous ont répondu. C'est aujourd'hui qu'a gouverné Haïti, malheureusement. Nous devons être la caille ou être la caille. Mais c'est dommage, ça me va le dos là. M'a dit pour y être sous table là, non? Mais quel que soit son père, sous pas tenu compte de eux, il avait monsieur la terre. Que ce soit l'international et nous-mêmes. Mabral dit que pour dire, Mabral négocier, Mabral ceci, Mabral cela. Il y a une forme, une forme de négociation qui a fait quelque part quand même. Alors, samedi, ce n'est pas 21 décembre. Samedi, ce n'est pas unité qui dit, c'est Sorel qui dit. J'aime toujours douler. Pour tout le monde. À quel niveau? À quel niveau? Okay. Et quelle considération? Comment on a fait? Parce que je vous dis, on vient là, bah, on va le tuer tout le monde, hein. On va le tuer tout le gang, yo. On marche, tuer, parce que je vous dis, il y a en pile. Mm-hmm. Donc, bon réhabilitation. On dépose les armes. Il n'est pas fait la première étape, la deuxième étape, mais la fête quand même. On parlait de ça. Mais il y a même le clair ou ça a besoin. Il y a clair ou ça a besoin. Écoutez, dans une négociation, on demande plus pour avoir ce que son qu'a gagné. C'est à cause de eux qui fait toute négociation. Pour partir du compte de eux, on ne peut pas gagner plus gâteau. Mais bon rapport de force. Moi-même, je ne parle pas là en 4 minutes. Je ne parle pas là en tout bouchon. Pas d'accord avec moi, et pas prendre d'eau pour d'accord avec moi. Dans une autre monde qui n'est pas d'accord avec moi, commandez d'eau pour d'accord avec moi. Mais aujourd'hui, si on veut trouver une solution durable,
Par contre, qui compte une balle tenir compte de yo, mais faut tenir compte de yo. Mm-hmm. Bon. Mais, question amnistie, si j'en veux. Maintenant, ça y a demandé, ça y a revendiqué. En 91, les Aristides, en 91, 94, Aristide retournait. C'est mon amnistie. Je ne vais pas aller entrer dans l'amnistie. Je ne vais pas répondre à une question amnistie. Mais Préval, c'est une façon. Il a fait question. Je ne vais pas discuter là. Parce qu'il a le bail trop pisse. On parle de sécurité. On part de la négociation. On ne va pas discuter là-bas. On ne va pas capable de faire. Et nous parlons de faire. OK. Bon. Et nous comprenons. Et dernier point, mais pour aller, nous avons 5 minutes pour finir là. Et, bon, on faut parler de Premier ministre Ariel Henry. Je dis à qui bon lieu? Bon, Premier ministre Ariel Henry, quoi, il était Porto Rico, il est aux États-Unis. Est-ce que le Californie, je ne sais pas, mais okay. il est aux États-Unis. C'est la ligne. OK. Mais, soit pensé de genre, façon que vous mettez dans la campagne. On ne passe ni pour moi-même. Nous, sous deux façons. Un, nous, ça, c'est de même faire, de plusieurs façons. Deux, c'est la mission que d'aller. Trois, on ne va pas être menti. Gagne pour beaucoup la donne. Mm-hmm. Est-ce que tu es en complicité ou non? Je ne sais pas, je ne vais pas ça. Mais écoutez, soufflette là, pas pour moi seulement, pour Ariel, pour nous, le 6 décembre. Soufflette là, c'est pour nous tout. C'est pour nous tout. Donc, c'est ça que nous, il faut nous prendre le temps pour travailler pour ça pas arriver encore. Mm-hmm. Parce que, comment réapproprier ce pays? Comment remettre le pays ça dans le rang des nations? La tribune internationale là. Il y a beaucoup de travail à faire. Hein. Mm-hmm. Parce que notre prestige, pas prestige, pas nous tous. Nous pas rien, mais mon premier ministre encore pour ça arriver. Mm-hmm. Ça, entre nous, bien mon petit bat bravo, c'est très bien, nous comprenons, parce que là, c'est quand il y a. Mais là, quel que soit quand on y a, je ne crois que personne fier de ça qui passe à Jean Bastien. Mm-hmm. Et dirigeants, les futurs dirigeants, sont capables de tirer le son. Et pas reposer, pas jamais reposer net sous blanc, sous américain, et pas des peuples, puis à l'écoute de population, parce que. Brutal. Bah, c'est que, exemple, ça, faut nous prendre. Écoutez. Reagan disait, bah, songez pour le ministre, qui est, comme Patrick, ou quoi, bah, songez qui s'alteille, vice-président ou bien ministre, affaires étrangères. Et donc, clairement, et c'est normal, il n'y a aucun pays qui a 20 000 ou bien ennemi éternel. Il n'y a seulement que des ennemis. Bien, et merci, sénateur, et Jacinthe, à bientôt. Allez, c'est son plaisir. Hein. Encore une fois, population, merci que nous attendons. Voilà. Et monsieur le sénateur, et Sorel Jacinthe, notre invité ce matin, Marie de Sibonhomme, et de Nomicois, merci tout le monde qui t'a suivi nous. Bon vendredi, bon week-end.